La route du territoire des Kasongolunda menant vers Kinshasa est en très mauvais état, voire même impraticable dans certains endroits, surtout pour des grands camions, ce qui pose d'énormes difficultés pour que la population des Kasongolunda évacue les produits agricoles. Cette situation cause ainsi la pauvreté, la malnutrition état d'entre bon qui ronge la communauté kalundaise comme si cette entité territoriale ne faisait pas partie de la RDC. Oui, tu peux le voir de là. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Bon, d'abord c'est une route qui a été presque impraticable pendant beaucoup d'années parce que l'état n'était pas très bon, il l'est encore, et puis la qualité des ponts n'était pas aussi ou n'est pas bon. Le pont qu'on vient de passer, c'est le pont Oudima, si je ne me trompe pas. Alors, ce sont des formes de dalles. Les gros véhicules ne peuvent pas passer sur ce pont-là. Les femmes qui produisent les denrées alimentaires, les produits agricoles ne peuvent pas évacuer. Parce qu'ici, pour vendre, il faut que les gros véhicules entrent. Les femmes vendent leurs produits. Elles ont un peu de moyens. Je crois qu'il faut que les partenaires interviennent. Et aussi, le programme du gouvernement qui vise les routes doit aussi cibler ce coin. C'est comme si beaucoup de moyens restent à Kinshasa et dans d'autres provinces. Donc, le Congo est orphelin. À Songolunda, sur la route menant vers Mwanamuyombo. Donc, cette route, pendant la saison de pluie, la route est impraticable. Vous voyez ici. Hein? Donc, quand il pleut, la route est bloquée. Le moto ne passe pas, ni vélo, ni véhicule. Donc, c'est difficile. Et qu'est-ce que vous demandez aux autorités? Nous demandons aux autorités de porter vraiment main d'œuvre, de nous accompagner pour que la route soit toujours décantée. Nanga, nzile yefwa, yetoma beba zimbenga, katu ya wenzi lo fet. Donc hoto baga katu kaha tronchon ya itete hoto kiri kuitaza. Buna manisa kaga loonzo, donc kiari fueno botsaku. Tetenet be tu tuta sale bip salube mo akwe te kisile nzile ye fwa makamio makota aku nzile hika be kompenga tu ko kwa tete tiwe lobo ko mwana muyom makamio makota aku dik donc makamio hika sugile ka hisiam ifo ba commerçant ba bakari ka ba porter be baka bima tu ka hisiama ye ka lun donc pas ka lun pas ka fo ku andi ka be bana utu kip na utu tona na poil ka lunda ka ka abo ba depite bo ka mi ba be kitsa. Exemple, le débat. Tout à l'heure, les provinces sont ici. Les bâtons sont les top Congo. Le débat. Est-ce que les bâtons sont les top Congo? Quel message est-ce que vous avez dit? Les bâtons sont les top Congo. Les bâtons sont les top Congo. Les bâtons haba kuisanga lutuvota to bana bahata tusadisa hata tete pipo ho kota vente ine ho vuata milele meka pile foendo di bule muto mamba kuti na parlon pa bana ba jika tukulu moko kumamba tele mongu mya wene eska ta mamba fana kuba yubuka ta dia wene kura fana kuba sedi province ni sisi sisi di boze nina kalunda boke nina ba losi la ba yubuka wo kubwa bu ba yubuka kalunda ho ba yubukiri wo ba baba bakisi. Merci. La question qu'on se pose est de savoir par quel chemin est passé les travaux de cantonnage manuel lancés à Kengé par le gouvernement central.
François Popo Kasongolunga est difficile d'accès pour plusieurs raisons. L'état de la route, puis la qualité des ponts. Par exemple, le pont qu'on vient de passer, les gros véhicules ne peuvent pas. Ce qui fait même que l'évacuation des produits agricoles est difficile pour les femmes. Pardon, cause générale. Toto, c'est ça, Volvo, animateur au programme agricole de la SECA. Merci. Sous la Picture TV.